Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être une vidéo défi avec plusieurs niveaux qui vont vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre équilibre au niveau des jambes, si vous avez besoin de renforcer ou non certaines jambes par rapport à l'une ou l'autre, parce que parfois on peut avoir des différences en fait entre sa jambe gauche et sa jambe droite. Et donc on va faire des paliers, des niveaux, donc niveau 0 jusqu'à niveau 7, pour savoir où est-ce que vous vous situez au niveau de votre équilibre. Est-ce que vous avez un bon équilibre? Est-ce que vous avez un mauvais équilibre? Est-ce que vous devez travailler votre équilibre ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous aurez juste besoin d'un gros livre où vous pourrez mettre vos pieds, parce qu'effectivement dans les niveaux supérieurs, vous verrez, on en aura besoin. Vous mettez vos pieds joints et vous restez comme ça, et vous pouvez tester aussi avec les yeux fermés. Bon, jusque là, si vous avez des problèmes d'équilibre, c'est vraiment qu'il faut travailler votre équilibre. Vous avez peut-être aussi des problèmes de vertige, surtout si vous fermez les yeux aussi et que vous avez des... vous sentez que vous tanguez. Dans ces cas-là, bien sûr, consultez toujours votre médecin pour avoir un avis médical, puisque ce n'est pas normal d'avoir des vertiges et de perdre l'équilibre quand on ferme les yeux. Donc testez quand même, voilà, fermez les yeux et vous voyez si vous tenez bien l'équilibre. On va basculer sur une jambe tendue et on lève l'autre jambe, voilà, on fait le flamant rose. Et donc on reste en équilibre sur une jambe tendue. Alors bien sûr, vous essayez de tenir le plus longtemps possible, et si vous tenez bien, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous commencez à tanguer beaucoup, c'est qu'il faut renforcer les muscles qui maintiennent l'équilibre. Et donc vous pouvez toujours tester à chaque niveau, on va tester la jambe gauche, la jambe droite. Comme ça, on est vraiment au courant s'il y a une jambe qui tient moins bien l'une par rapport à l'autre. Ça va être la même chose, sauf qu'on plie la jambe et on regarde si on commence à un peu plus tanguer ou pas. Vous restez comme ça. Voilà, si vous tenez 1, 2, 3, 4, 5 secondes, c'est que quand même vous avez un relativement bon équilibre. On change de jambe, donc hop, on plie sa jambe. Bien sûr, on reste droit, hein, on n'essaye pas trop de plier comme ça. Mais puis on va essayer de se rattraper un petit peu, de voir si on penche, comment ça rattrape. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va avoir besoin d'un petit rebord qui va ajouter une difficulté supplémentaire. Et c'est pas les poteaux de Koh-Lanta non plus, mais quand même vous allez vous mettre sur le rebord. Donc vous allez mettre l'avant-pied. Alors vous mettez au niveau, en fait vous mettez vos orteils jusque au niveau, vous voyez, le gros orteil, vous avez les métas, en fait vous avez la phalange. Il y a une grosse boule là, c'est l'oignon là, voilà. Bah vous mettez jusque là sur le rebord, mais vous ne mettez pas plus. Donc vous montez sur votre rebord, hop, vous mettez vos deux pieds et vous allez rester jambes tendues, regard droit devant. Normalement, vous avez un petit effort à faire d'équilibre avant-arrière au niveau des chevilles. Ça fait travailler aussi un petit peu les orteils. Vous voyez, là j'ai perdu l'équilibre. Il faudrait que je travaille encore un petit peu. Vous essayez donc de bien maintenir l'équilibre. Alors bien sûr, vous avez vos bras qui vont vous rattraper en cas de perte d'équilibre. C'est tout à fait normal, mais vous essayez de le moins vous en servir possible et de vous servir uniquement de vos jambes. Bravo, vous avez terminé le niveau 4. Maintenant, on peut passer au niveau 5. Le niveau 5, c'est la même chose. Le niveau 5, c'est la même chose, mais sur une seule jambe. Je vais vous montrer de face un petit peu. Hop, moitié, trois quarts, comme ça vous voyez peut-être mieux. Tac, vous montez jusqu'aux orteils, jambes tendues, et on va faire jambe droite, jambe gauche, comme dans chaque exercice. Donc vous relâchez et vous faites une seule jambe. Voilà, et vous regardez si vous arrivez à bien tenir l'équilibre. Jambe droite, hop, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez bien tenu, on va changer de jambe. Tac, vous mettez l'autre. Jambe tendue. 1, 2,
3, 4, 5. Ok, on a bien tenu. Vous avez passé le niveau 5. Attention, il reste encore 2 niveaux. Niveau 6, on garde encore le petit rebord. On va se mettre sur une jambe et on va plier cette jambe. Donc là, ça commence à se corser sévère. Et on reste ici comme ça. Donc là, ça fait un peu tout travailler. On regarde vraiment droit devant. Une fois que vous avez tenu bien l'équilibre avec la jambe droite, par exemple, vous passez à la jambe gauche. Hop, et vous pliez. Vous pliez pas à 90 degrés, hein, mais vous pliez suffisamment pour avoir une notion d'équilibre différente. On essaye de pas trop se servir de ses bras, mais on peut les mettre quand même sur le côté. Hein, on n'est pas non plus... Voilà, les règles du jeu sont, ne sont pas trop strictes. Et on peut regarder un peu la différence s'il y a un équilibre plus sur la jambe gauche, plus sur la jambe droite. Et on relâche. Voilà, vous avez passé le niveau 6 peut-être. Bravo, si vous vous arrêtez là, c'est déjà très 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 bien. Le niveau 7, c'est pas nécessaire de l'avoir. Si vous êtes au niveau 6, c'est déjà très bien. Le niveau 7, c'est tout simplement de se mettre sur une jambe. On va passer directement sur une jambe. Et on va en fait relever la jambe et on doit tenir l'équilibre et on se relève sur les demi-pointes. On n'est pas obligé d'utiliser le rebord, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile de relever depuis le rebord. On teste avec son autre jambe. Voilà, on souffle bien et on relève quand on le sent. On essaie de se relever sur demi-pointe et de garder son équilibre pour essayer de ne plus bouger du tout. Et voilà, vous avez passé tous les niveaux, le niveau 7. Bravo si vous avez réussi cet exercice, c'est pas évident du tout. Alors je referai des vidéos si ça vous intéresse sur comment garder un bon équilibre toute sa vie, parce que l'équilibre c'est très important. Avec l'âge, on perd son équilibre et on n'arrive même plus voilà, à enfiler un pantalon parce qu'on perd son équilibre. Donc si vous avez besoin d'exercices et de conseils pour garder un bon équilibre tout au long de votre vie, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo, me dire surtout dans cette vidéo à quel niveau vous êtes arrivé et si vous avez besoin d'autres conseils. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous laisse ici la vidéo sur la stabilité de la cheville. Vous avez déjà des exercices que vous pouvez travailler pour augmenter votre équilibre. À très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.